Êtes... Là, ça fait peut-être 20 minutes. Alors, il y a plein de messages qui défilent depuis tout à l'heure. Il y a ceux qui sortent de Bercy actuellement, qui étaient à votre concert. Tiens, ben, j'en ai un là. Ils sont comme des oufs. Mythix91 qui nous dit « Le concert de Section d'Assaut était une tuerie. Ils sont énormes. » Et elle a kiffé aussi Dry en première partie. Ah ouais, bah ça tue, ça déchire. Nous, c'est ce qu'on a ressenti tout le long du show. Un public surbouillant, présent, c'était complet, c'était un truc de fou. On les remercie encore et encore. On avait fait les shows, le même show à peu près, à peu de choses près, sur d'autres villes, sur d'autres zéniths. J'ai fait Montpellier la semaine dernière. Etc. Voilà, on a fait tout ça. L'ambiance était torride, c'était un truc de fou. On nous a dit, ouais. C'était un truc de fou, vraiment. On a kippé, en fait, la lumière qu'on a ramenée sur scène et les musiciens, le live qu'on faisait pas avant, ça rajoute vraiment une dimension qui nous surprend nous-mêmes. Donc on kiffe sur l'instant qu'on fait la scène, c'est plus qu'une répète. On kiffe vraiment ce qu'on fait avec le live, c'est une dinguerie. Ah bah on sent que t'es encore dedans. Ah mais moi je suis dedans, mais ils m'ont lancé. Mais attends, t'as 15 000 personnes devant toi qui crient, qui sont là, qui sont présentes, qui sont réactifs. Pour le prochain, il va falloir attendre le 15 octobre à Bercy. Hein. Ah ouais, le 15 octobre pour être là, absolument. Tiens, oui. C'est reparti le 15 octobre. Oui, exactement, bien, Romano confirme. Eh oui, bah, le 15 octobre, moi, j'attends l'invitation. Hein. Ouais, bien sûr, t'as invité déjà. Je ferai la troisième partie. Voilà, quand tout le monde sera parti. Ok. Ouais. Et sinon, ouais, les dates, elles sont. Parce qu'il y en a qui nous demandent quand est-ce qu'ils viennent à Rennes. Au mois d'octobre. Tout, devant toute la France, vous me faites une colle comme ça. Rennes, tu vas le 13 octobre à Rennes. Le 13 octobre, merci. La section d'Assaut, 13 octobre à Rennes. Tiens, il y a Momo qui est pas très loin de chez la loge. T'as vu Momo, non? Il est dans la loge. Ouais, je l'ai vu à fond. Il est là et c'est le meilleur Momo. T'es là, Momo? Ouais, je suis pas très loin, là. Je suis derrière la porte, exactement. Attention, fais gaffe, Pascal. Momo est derrière la porte. Non, mais en fait, personne ne veut le laisser passer. Regarde, on est en face, là. Et là, on est face à face. Alors, tiens, dis-lui, en face à face. Momo, t'as assisté au concert, toi, t'as vu tout le concert? Ouais, moi, j'ai assisté au concert. Alors, c'était du très, 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 très lourd. Surtout le premier titre, Disque d'Or. Il fait bien plaisir. Avec les flammes. Bon, d'ailleurs, j'ai failli être cramé à cause des flammes, parce qu'à un moment, il y a des flammes sur scène. J'ai failli me faire cramer. Et c'est du très, très lourd. Tout le monde chantait toutes les chansons. Respect. Respect. C'est un peu lourd. Tu sais, des foules que là, j'entends la voix de Momo en fac, parce qu'on est dans une salle de bain, il est en face de moi. Il est dans téléphone, il est dans Skyrock, sur Instagram. Partout, et il dit, ouais, c'était lourd et tout. Je suis comme un bain. Avec la fatigue, là, je suis comme un ouf. T'as failli nous le brûler, Momo. Là. Attention. Momo, il s'est pris un coup de lance-flamme, quoi. Tiens, plein de messages qui défilent. Trop fort la section. Bise à Masca, c'est le message de Antonia sur SMS. On nous demande quand, Bourges, Amiens, Bordeaux. Bon, toutes les dates, de toute façon, vous allez aller à Niort, à Nantes, à Rennes, donc à Strasbourg, à Caen, à Amiens, à Brest, à Rouen, à Lille, à Dijon, à Montbéliard, à Orléans, à Lyon, à Toulouse, à Clermont, à Nice, à Marseille, à Pau et à Limoges. Grosse tournée. Voilà, c'est au mois d'octobre. Que du plaisir. Est-ce que vous voulez parler au président, tiens? Alors, lequel président? Parce que moi, j'ai avec nous le président. Barack Adama. C'est Barack Adama. Bah oui. Allez, vas-y, passe-nous le président Barack. Salut président. Hello. Salut président. Comment ça va, Barack? Comment tu vas, ma gueule? J'ai le sosie de François Hollande avec moi, tu te rappelles de Romano, il est là. Salut Barack. Romano, ça va, tranquille. Elle a un gros kiff. Non, mais je viens sur scène sur la tournée, ça y est, j'ai négocié ça avec Pascal juste avant. T'as négocié le cachet et tout? C'est bon. Ok, parfait. Je vous rappelle, je suis manager, c'est moi qui encaisse la thune. Hein. Oui, bonjour, bien sûr. C'est comme ça que ça marche. Bon, alors, gros kiff, t'arrives à redescendre. Ouais, qu'est-ce que tu veux ? Nous, on est là, on a kiffé hein, le concert, c'était violent. Ouais, Masca, il nous a un petit peu expliqué. Momo nous a expliqué que vous aviez mis des flammes sur la scène. Ouais, il y a eu des flammes. Et... Vous avez failli brûler, Momo, d'ailleurs. D'ailleurs, nous, il y en a certains d'entre nous qui ont failli brûler aussi. Ah, vous aussi, vous avez failli. Enfin, en fait, réglez-les pour le prochain concert. Attention. C'est quoi le moment que t'as préféré dans le... Qu'est-ce qu'on préfère quand on arrive sur scène devant 15 000, 20 000 personnes? C'est quoi qu'on préfère? Ça dépend. Franchement, dans ce show-là, il est tellement intense qu'il y a plusieurs moments forts. Tu vois. Mais avant d'arriver, par exemple, avant d'arriver sur scène. Parce que Romano, En fait, moi, pour mon part, le moment qui est fort, c'est quand Gims monte sur scène parce que lui, il est dans le disque d'or, c'est lui le premier. Et moi, j'enchaîne derrière. Donc, ça veut dire que lui. On voit directement la température avec lui. Alors, celui qui passe derrière, ça motive, tu vois. En fait, c'est comme quand tu couches avec une fille, que tu mets un doigt pour savoir si elle est clean. Donc, Gims, en fait, fait l'office du doigt, il va tester le public et toi, t'arrives derrière. Et voilà, bim. Tout de suite. Ouais, le moment de l'entrée. Bah écoute, voilà, c'est ce que je peux te dire. Le moment de l'entrée sur scène, c'est le moment que t'as préféré, toi.
Ouais, ouais, c'est un des moments que j'ai préféré sur scène. C'était vraiment violent. Attends. Vas-y, vas-y. Momo. Oui, Momo. Ouais, je suis là, je suis assis. Momo est assis, c'est une bonne nouvelle. Tiens, Momo, il est trop fatigué. Attends. Je crois qu'il nous passe quelqu'un. Attends, je vais essayer de vous passer quelqu'un. Je peux vous passer Gérard de la Sécu. Barak, t'es toujours là? Oui. Attends, je vais passer du groupe, ma gueule. Vas-y, vas-y. J'ai Corinne qui vendait le pop-corn. Ah bon, moi, Corinne qui vendait le pop-corn, on va plutôt. Bon, bon, bon. Ah, il n'y a plus personne. Merci, bon, bah, Momo. Merci, Momo, il est vraiment sympa celui qui nous a passé. Bon, ben merci, Barak, en tout cas. Et puis, tu salues tout le groupe. Et puis. Et puis, venez nous voir bientôt. Et on vous invite très vite dans l'émission. Ah, vous venez quand vous voulez. Hein. Allô, allô. Oui, je suis encore dans le bordel, là, désolé. Oui, allô. Alors, on t'entend, ça y est, on t'entend bien. Ok. Ah bah ouais, on est dans Bercy, vous êtes encore à Bercy ou faites quoi après un concert? On est encore à Bercy, on est en train de signer des dédicaces, faire des photos, tout ça. D'accord, après vous allez bouffer un bout? Ouais, voilà, non mais après on verra ce qu'on va faire après, mais bon. Je pense que tout le monde va rentrer sur toi, pour poser un peu parce que c'était trop d'émotion. Bon bah en tout cas ça fait plaisir d'avoir vécu, nous on n'a pas pu vivre le concert parce qu'on était là ce soir, mais ouais. Ça fait plaisir d'avoir vécu. Attends, n'oubliez pas les mecs. L'après-concert avec vous, là. Eh ouais, le 15 octobre, c'est reparti une deuxième fois. Voilà, pour le deuxième. Eh ben, merci à toute la section, tu salues tout le groupe. Hein. Et vous venez quand vous voulez. Hein. Et à la prochaine. Et Marie vous attend avec impatience, et Romano aussi. Eh oui. Il n'y a pas de souci. Salut les gars, ciao. 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 Romano, à la fleuriste qui travaille devant Bercy et qui vend des fleurs, est-ce que ça vous intéresse? Ah, Momo, il a ça en stock? Oui. Oui, non, parce que t'as annoncé Romano, je ne comprenais plus. Ah, excuse-moi, Romano, c'est Momo qui a quelqu'un, oui. La fleuriste, bon, ça va aller. D'accord, bon bah écoutez, désolé. Hein. Ouais, c'est Momo, vraiment un envoyé spécial. Tu te rappelles Romano quand tu étais monté sur scène devant 50 000 personnes au Stade de France? Ah, moi j'ai fait plus fort que Bercy, moi. Écoutez. Merci. Ça c'était Romano qui faisait merci au public. Je faisais un meeting présidentiel. Faites du bruit! Merci pour le président, j'aurais dû dire. Ouais. Toi aussi tu t'es retrouvé. T'étais stressé quand t'allais sur scène? Bah ouais, t'as pas l'habitude. Flippant, hein. Quand tu rentres sur scène, comme il le racontait là, c'est pareil. J'avais peur que me jette un truc dessus. Ouais, mais nous on chantait pas, mais bon, c'est vrai. Non, que on chantait flippant. Pas parce que là on nous aurait jeté des trucs. Ah, on serait pris des tomates là. Oui, on se serait pris un paquet d'ailleurs. Nous, on Faites du bruit. Faites du bruit, mais oui. Merci. Vous entendez, en plus avec les trompettes derrière là. Merci. Ah ouais, il y avait des cornes de brume et tout. C'est ça. Bon, c'est ça l'ambiance. J'ai quoi. Une bonne nouvelle à vous annoncer. On a mis en contact Paul et Anna, vous savez, pour les animaux. Donc Paul qui est maître chien, donc il va expliquer à Anna. Anna voulait travailler avec les animaux. C'est ce qui t'intéresse le plus. Il nous a dit maître chien. Et c'est bizarre, sur la ligne d'Anna, j'entends Momo. T'es là, Momo? Ouais, je suis là. C'est Momo, en fait. Anna, elle avait une bien plus jolie voix, Momo. Hein.